tous, bienvenue de nouveau sur notre chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons tester une centrifugeuse avec une large ouverture, un moteur puissant, un prix très très avantageux puisque moins de 50 euros qui nous a été gentiment envoyé par la marque iCook. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Il y aura un code de réduction de 20% pour vous durant 6 jours. Hein? Donc, je vous mets toutes les informations sur l'écran et dans la description de la vidéo hein, avec le lien. Donc, si le test est réussi, bah, n'hésitez pas parce que à très peu d'argent, vous pouvez peut-être commencer à faire des jus et vraiment avancer sur votre chemin vers la santé. Nous allons commencer avec le jus de céleri. Voilà. Hein? Alors, avant de commencer, bonjour à tous. Je suis juste derrière la caméra en train de filmer. Vous vous en êtes rendu bien compte. En fait, on vous présente cette centrifugeuse. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, Carolina, qui se plaignent de ne pas avoir beaucoup d'argent pour s'acheter des extracteurs. Pour acheter des extracteurs, donc c'est pour ça en fait qu'on vous propose une centrifugeuse qui elle est capable de faire un jus mais de bonne qualité aussi à un moindre coût, parce que c'est vrai que vous vous plaignez souvent, certains se plaignent mais et cherchent, on va dire entre guillemets, une excuse quelque part pour ne pas on va dire aller vers la santé. Là on vous propose des produits. Et comme ça, au moins, vous ne viendrez plus dire derrière que tous les produits qu'on propose coûtent excessivement cher. Là, vous avez un produit qui est de qualité, qui a un moindre coût. Donc, on va le tester pour vous en direct parce qu'on ne l'a jamais utilisé. Il faut dire ce qui est vrai. Hein. Non, je viens juste de brancher pour voir si ça fonctionne. Il est arrivé hier. À part que j'ai nettoyé, bien sûr, les récipients avant première utilisation, on ne l'a pas utilisé. Et alors, qu'est-ce que tu peux dire un petit peu au sujet de l'appareil? Alors, large ouverture 75 millilitres, centimètres, 75 millimètres. Voilà. Donc 7 centimètres et demi. Donc, vous pouvez faire mettre des aliments entiers. Bon, peut-être des grosses pommes ou oranges quand même coupées en deux. Ici, dans la centrifugeuse que vous avez vue la dernière fois, c'est encore un centimètre de plus. Donc, tous les oranges passent entières. Ici, on verra. Peut-être il va falloir que je coupe. L'avantage, c'est que le bac à pulpe n'est pas intégré dedans. Donc, c'est une centrifugeuse classique. Donc, vous pouvez le vider au fur et à mesure. Donc, faire beaucoup de jus en continu. Et elle a deux vitesses, lente pour les produits mous et rapide pour tout ce qui est dur. Après, on va voir comment elle s'est débrouillée. 800 watts, donc c'est quand même puissant. J'espère, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur la toile américaine déjà au niveau de cette marque. Et que les gens sont vraiment très contents et même beaucoup de crudivores commencent à utiliser les extracteurs et les centrifugeuses de cette marque-là. Alors, pourquoi centrifugeuses aussi peuvent être avantageuses? Il y a beaucoup parmi vous qui n'avons pas le temps de découper en petits bouts, de vous amuser avec l'extracteur, de prendre son temps, de les nettoyer après, etc. Ici, bon, le nettoyage est peut-être le même que dans l'extracteur, il y a quand même des choses à rincer. Mais il n'y a pas tant de choses à brosser, mais la préparation ne demande littéralement rien à part d'éplucher vos oranges si vous utilisez les oranges, mais tout ça vous mettez entier par des grosses poignées. Les carottes, on n'a pas besoin de couper, les concombres vous mettez entier, les boulettes entiers et ainsi de suite. Donc on n'a pas vraiment besoin de faire des découpes. Et c'est le gain de temps aussi, c'est ça qu'il faut bien préciser, c'est le gain de temps. C'est vrai que beaucoup d'entre vous travaillent parce qu'il faut se lever le matin très tôt, on n'a pas le temps. Là, avec une centrifugeuse, bah, vous gagnez un temps fou. C'est énorme le temps que vous gagnez avec cette centrifugeuse. Après, c'est vrai que si vous avez la place et le temps à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est avoir peut-être un extracteur de jus et une centrifugeuse à côté.
Parce qu'une centrifugeuse, ça ne coûte pas cher. Hein. C'est vraiment, les prix sont très, très abordables aujourd'hui. Mmh. Et vous gagnez du temps, vous avez après le temps pour pouvoir faire d'autres choses à côté. Voilà. Alors, dans un premier temps, jus de céleri. Après, une recette de jus vert. Que vous trouvez très souvent maintenant dans les supermarchés, c'est en fait les sacs écologiques, donc biodégradables, et la pulpe tombe dedans, comme ça vous n'avez pas besoin de nettoyer derrière. Donc un petit gain de temps aussi. Bon, à part que ça éclate un petit peu le céleri, mais un céleri est très fibreux, donc parfois ça peut faire ça. Nous avons un joli jus. Je vais le mélanger. On va voir sa consistance. Et hop. Il est très bien, zéro pulpe, aucun, pas besoin de filtrer, rien du tout. Très très bon. Donc pour les pommes, vitesse rapide. Thank you.
aussi l'écoulement du jus que vous pouvez remonter vers le haut. Donc, il n'y aura pas normalement des gouttes sur votre comptoir. Ça a l'air super. Son jus est prêt. Maintenant le jus vert. Donc on va faire les blettes. On va voir comment il se débrouille avec des feuilles vertes. Pour l'instant les tiges. On y go. Là, nous avons un blette, orange, concombre et citron. Et céleri. Ah, et un peu de céleri. Merci, Abel. Donc, le jus est bien vert. Oh, je pensais que ça ne fait pas un litre. Mais finalement, le rendement est superbe. C'est un petit peu tremblé visuel, j'ai pas pensé que ça va faire tout le bocal et je me suis dit bon, peut-être il extrait pas beaucoup de jus, mais en fait c'est parfait, c'est exactement avec ces volumes là que j'obtiens un litre. Donc un jus vert est prêt, on va voir encore comment il va se débrouiller avec plein d'oranges. Alors, est-ce que le bac est plein ou pas? C'est ce que je vais vérifier justement pour ne pas le surcharger, parce que si le bac est trop plein, ça va bloquer la sortie de la pulpe et votre jus ne sera plus joli. Mais je suppose que vous ne faites pas autant de jus que nous. Hein. Alors, comme on est dans le jus vert, il faut quand même préciser une chose, c'est il faut vraiment, quand vous faites des jus, chercher non pas parce que certains, on voit souvent... Et ils vont chercher des produits juste parce qu'il faut avoir de la matière à mettre dans l'extracteur ou dans la centrifugeuse. Il faut absolument prendre des produits frais. Carolina, il faut préciser ça parce que c'est important. Si vos produits ne sont pas frais, vous n'aurez pas suffisamment de jus. Vous n'allez pas pouvoir extraire suffisamment de jus. Donc, si vous allez chercher des produits, on va dire, qui sont un peu fatigués, voilà... en fait ça sert à rien, autant les mettre dans le blender et puis les mixer, les manger ou faire des soupes si vous cuisinez. Et voilà. Et pour ce qui est de l'extraction, centrifugeuse ou je vais arriver à le dire, ou extracteur de jus, il faut des produits frais. Il faut des produits qui soient frais parce qu'il faut du jus à l'intérieur. Sinon ça n'a aucun intérêt. Et vous allez même vous en rendre compte, hein, quand vous allez les mettre dans l'extracteur, dans la centrifugeuse, ça, vous n'aurez rien du tout en termes de rendement. Donc c'est très important d'avoir des produits frais. Alors, jus d'orange. Donc on va utiliser vitesse lente, d'accord ?
Et voilà, nous avons 1 litre de jus d'orange. Il a l'air pas mal aussi. On va touiller un petit peu pour voir sa consistance. On va pas goûter tout de suite, on a un jus de céleri. Vous savez très bien que ça se mélange avec rien. Donc, il faut attendre un petit peu, mais on vous donnera nos retours tout à l'heure sur le jus. Alors, ouverture finalement, c'est juste le template visuel aussi, elle est très large. Hein. Toutes les oranges sont passées entières. Pour moi, c'est super, ça tient la route, ça fait super bien le jus. Il n'y a rien à dire de particulier. Hein. C'est une centrifugeuse compacte, légère, ça peut s'intégrer sur tout le comptoir, pas cher. Alors vous pouvez commencer à faire vos jus, vous avez vu, on a eu des textures très très différentes et tout est réussi. Alors n'hésitez pas, hein, si c'est le seul moyen pour faire les jus pour vous, hein, pour les raisons de finances ou les raisons de style et mode de vie qui est chargé en occupation, moi je pense que c'est une excellente solution. Le jus vert est superbe aussi, vous avez vu, il y a quand même beaucoup de jus qui a été extrait des feuilles vertes, donc sans aucun souci. Voilà. Elle ne tourne pas très rapidement non plus, donc tous les produits descendent tout doucement. Hein, j'ai utilisé les Philips avant, ça tourne plus vite, donc on a plus tendance à que certains... produit s'échappe en fait dans le bac. Ici, c'était très progressif. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Ah ben, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ah ben non, c'est pas très bruyant non plus, hein. Non, non, ça va. Moi, je suis bluffé. Hein. Voilà. Honnêtement, c'est là aujourd'hui vraiment. Si vous avez des comme Carolina l'a précisé, on va le redire encore vraiment parce que beaucoup de gens se plaignent en disant oui, voilà, les produits sont chers, etc., etc. Mais là, vous avez quelque chose pour commencer. Voilà, là, vous pouvez pas dire que non, j'ai pas les moyens, je sais même pas, c'est quoi le prix, en fait, de ce... Alors, c'est vraiment aux alentours de 50 euros, voilà. Mais si vous avez en plus moins 20%, ça va faire quoi, 40 euros, centrifugeuse ben... de 800 watts, qui préserve les nutriments, hein, et que le rendement est supérieur, le tamis en inox, tout est vraiment bien travaillé... Rien à dire. Vraiment rien à dire. Donc, pas là, moins bien que la même qui coûte 200. Voilà. Là, vous ne pouvez plus dire oui, c'est cher et j'ai pas le temps. Voilà. Vous avez juste à l'acheter. C'est moins de 50 euros. Et vous pouvez mettre votre jus de céleri en place. Voilà. Et vous pouvez commencer à vous occuper de votre santé, de votre bien-être de manière générale. Voilà. Alors, donc... merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci à vous encore d'être fidèles sur notre chaîne et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.